Bonjour, mon nom est Philippe Berthoux, je suis le directeur général de Au Sommet Place du Marie. Bienvenue pour cette visite de chantier. Actuellement, nous sommes au 46e étage, donc l'étage de l'Observatoire, un 360 degrés sur Montréal, une vue imprenable sur tous les attraits majeurs de Montréal, que ce soit la montagne, le fleuve. Donc vous avez vraiment donc, le plus haut point d'observation à Montréal. Vous allez avoir donc une terrasse, donc une immense terrasse qui va être avec un plancher chauffant, puis avec des immenses baies vitrées sur le côté qui vont permettre de couper le vent mais pas couper la vue, avec un point de verdure, donc un jardin urbain au sommet. Et ce qui va permettre cette terrasse-là, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle vibre au rythme de Montréal. Pendant le jazz, avoir peut-être une prestation de jazz, pendant Montréal complètement cirque, une prestation circassienne, et également donc des 5 à 7 animés, des événements public ou privé, on veut vraiment que ça devienne une place publique, une place d'animation. Donc ici nous sommes au 45e étage, donc c'est la poursuite de la visite. Nous sommes dans l'étage sur une exposition interactive et participative. Donc il s'agit d'une exposition sur le Montréal actuel vu par les Montréalais. La volonté c'est de superposer le visible qui est la vue et également l'invisible qui sont des rituels de Montréalais. Donc vous allez avoir 11 thématiques, le fleuve, la gastronomie, le hockey, la culture. Et dans ces 11 thématiques-là, vous allez avoir différents écrans. Donc vous allez avoir un écran, donc une tablette surface, et à travers, vous allez avoir un rituel de Montréalais. Donc par exemple, pour le fleuve, nous allons voir un Montréalais qui fait du surf sur le Saint-Laurent. Et si vous aimez ce que vous avez vu, vous allez pouvoir liker le contenu à travers un bracelet RFID qu'on va vous remettre à la billetterie. Et donc vous n'allez peut-être pas faire les 55 stations, vous allez peut-être en faire 25. Et en fonction de vos choix, de ce que vous allez aimer du rituel du Montréalais, on va vous donner ensuite un profil et vous allez avoir des missions que vous allez réaliser à Montréal. Donc on peut vous inviter à aller faire du Bixi sur le canal de la Chine, on peut vous inviter à aller arroser les plantes dans une ruelle de Montréal. Et donc c'est vraiment notre exposition très authentique au niveau du contenu, donc sur vraiment le Montréal actuel vu par les Montréalais. Lorsque vous allez dans une ville, vous avez le goût d'authenticité et de vivre comme un Montréalais. C'est vraiment ce qu'on vous propose. Donc ce que vous voyez un peu en contrebas, donc ça va être notre point de restauration, donc au 44e. Donc c'est vraiment une nouvelle structure qui a été créée sur une des ailes de la place Ville-Marie, côté ouest. Donc ça va être un restaurant panoramique, 200 places intérieures, plus 60 places sur la petite terrasse. Donc nous sommes avec les Enfants Terribles. Donc ça va être le plus haut point de restauration à Montréal. Donc la carte bistronomique des Enfants Terribles. Donc c'est vraiment un endroit magnifique pour manger Montréal à partir du sommet. Vous avez des immenses puits de lumière, une vue imprenable sur la ville. Mais encore une fois, donc la vedette, c'est cette vue-là, donc sur la magnifique métropole. Le Mont-Royal, donc de voir l'évolution du Mont-Royal à travers les saisons. Donc ça va être très 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 beau de prendre un cocktail ici et de pouvoir bénéficier donc de cette vue et de cette animation qu'on va vous proposer. On prévoit ouvrir au mois de mai, donc on se garde un petit secret sur la date, mais donc courant mai, nous allons ouvrir le sommet Place Ville-Marie.